Salut à tous, c'est QQ que je retrouve pour la suite de Phantasy Star Online 2 New Genesis. Et on s'était raté à un moment où je devais augmenter mon niveau de personnage pour continuer l'histoire principale. Et même si je pensais que j'allais gagner pas mal d'armes ou autres, ou de niveaux, et ben en fait pas tant que ça. Et j'ai à peine les 950 Battle Power qui demandaient. Donc, on va pouvoir continuer l'histoire principale jusqu'à ce qu'on nous demande un niveau de Battle Power supérieur. A savoir qu'il se gagne pas si facilement que ça. On va passer par la World Map, ça ira plus vite. Je crois que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ah non, pas du tout, c'est vers le bas. J'ai baissé un peu le son du jeu, a priori il était un peu fort, je m'en suis rendu compte en regardant les dernières vidéos. Où est-ce qu'on doit aller exactement? Ah non, c'était par là, mais ça je peux pas m'y TP. Hein. J'ai pas mal exploré la map, comme vous avez peut-être pu le remarquer. Il y a énormément de trucs qu'il faudrait qu'on fasse en vrai, pour avoir plus de possibilités de gameplay. Parce que j'ai débloqué plein de trucs comme ça. Genre celui-là, on n'a pas le niveau, mais celui-là par exemple qui était assez dur à trouver. Faudrait qu'on le fasse parce qu'on est niveau 10. Celui-là on l'a déjà fait. Je vous rappelle que ça donne des points d'arbre de compétences. Celui-là on est encore un peu faible. Celui-là c'était le premier. Celui-là c'est fait aussi. Bon, y en a deux ou trois qu'il faudrait qu'on fasse en vrai. Genre celui-là, niveau 3, j'ai envie de le faire maintenant, quoi. Alors, test flight. Alors, moins d'une minute 15. Le faire sans tomber plus de 5 fois. Obtenir 5 cubes. Et ça a l'air d'être un truc de parcours, ça a l'air cool. Si c'est ce que je pense, ça va pas être bien compliqué normalement. Ah, il faut que j'aille vite, mais je sais pas où sont les cubes en même temps, du coup c'est un peu stressant. Niveau temps, ça va être un peu juste, je pense. Ouais, je vais au moins récupérer les cubes. Et pour le temps, on le refera une autre fois. En vrai. Et comment j'ai pu avoir que 3 cubes? Je vais le refaire parce que pour le temps, je suis quasi sûr que je peux le faire. Par contre, je vois pas où sont les cubes que j'ai loupés. Ok, donc il y en avait un là. Ce qui est un peu vache en vrai.
sans connaître le chemin, comment tu peux le savoir en fait? Ouais, pareil, c'est un peu vache ça. Déjà ça de prix. Et en vrai j'étais pas si loin, je crois que j'étais qu'à 3 secondes. Bon, on s'en fiche, on fait ça pour les points de compétence de toute manière. Donc celui-là il était assez simple à choper en vrai. Vous alliez là-bas, vous vous laissez flotter, vous atteignez cette plateforme assez facilement. Donc juste ici. Celui-là, on l'avait trouvé ensemble, je crois. Donc niveau 6. C'est encore un truc de course, ça. Finir sans tomber 5 fois. Je sais pas s'il faut utiliser le truc plus de 5 fois ou moins de 5 fois. Le Glide Flower. Je vois pas trop ce que c'est un Glide Flower. Y'a pas de question de cube en plus là. Mais je crois que je vois ce qu'ils veulent pas quand ils filment. C'est ça qu'ils veulent pas qu'on les filme. Là j'ai tout fait normalement. Parfait. Je l'ai pas vu marquer le point de compétence tout à l'heure. J'espère que je l'ai bien eu. Hein. Bon, pour être honnête, j'ai quasiment pas utilisé la classe secondaire que j'avais débloquée la dernière fois. Donc je vais pas m'intéresser plus que ça. À mettre des points de compétence. Clear before 1,55 et obtenir 5 cubes. Reach, je fais. Donc c'est une course. Faut le faire en moins de 2 minutes et obtenir les cubes. C'est marrant qu'il y ait des trucs qui soient pas du combat. Le truc c'est qu'on sait absolument pas où est-ce qu'on doit aller.
Donc sans savoir où sont les cubes, c'est pas très cool en fait. Il va y en avoir un là où je suis pas allé. Non, pas du tout. À mon avis, j'en ai loupé un au début. J'en ai loupé deux même. Bon, pas grave. J'ai les deux objectifs de temps. Après, si on y va à plusieurs, il y a peut-être moyen de chacun aller chercher des cubes différents. Alors oui, cet endroit était assez chiant à trouver parce qu'il est indiqué comme étant avec le radar comme étant là, donc dans le mont Magus, mais pour y accéder faut passer sous une cascade par ici, donc c'est compliqué parce qu'il faut aller à Sausalia pour aller au mont Magnus. Celui-là je l'avais fait, et les autres je pense qu'ils ont des niveaux un peu trop hauts. Tuer tous les ennemis, ils recommandent d'être niveau 15, c'est un peu compliqué quoi. Du coup, avant d'aller faire l'histoire principale, on va prendre quelques points de compétences. Il y en a au moins un où je sais ce que je veux, et après, derrière, on verra. Point de compétence, c'est là? Non. Alors l'arme classe skill force, on a 3 points. Ce que je veux c'est ça parce que la foudre c'est cool. Et il n'y en a pas un pour le feu? Ça m'étonne. If you don't attack or dodge after using a technique, your PP will recover. J'utilise quasiment jamais ces skills, donc c'est pour ça que ça me fait un peu chier. Ça peut être cool en vrai. Ça peut être cool aussi. Et ça, faut que je vous montre, c'est la deuxième arme de ma classe. Ouais, ça peut être cool aussi. Alors faire un side step ou utiliser une action d'arme pendant qu'on charge une action. On va quand même continuer de charger l'attaque. Ça c'est pas mal. Guard with a weapon action will add. Ouais, mais je crois que j'ai enlevé les trucs de garde. Ça peut être cool aussi. Mais surtout ça qui peut être pas mal, je pense.
Après, je charge pas tout le temps des actions, donc enfin des techniques, donc. Hein. La durée, ils changent jamais avec ça. Ah, ça me permet de lancer le truc une fois de plus. Ça, c'est nul. Ça peut être mal aussi, bien aussi. Donc récupérer des PP quand les ennemis meurent. Un passif sur les attaques de foudre. J'aurais aimé sur les attaques de feu, mais a priori ça n'existe pas. Et ça me rend les PP que je vais utiliser à la fin de ce skill. Ça augmente mon battle power de faire ça en plus. Oui, j'ai pris 9 de battle power. C'est énorme. Et du coup, on doit se diriger par là. Pour accéder à une nouvelle zone. Je suis désolé, petit quart d'heure de... on finit... On va chercher les points de classe, puis... En vrai, je gagnerai encore de la... des points de power battle si j'augmentais ma classe secondaire, parce que je crois que les deux sont comptés dans le power battle. Il faut que je vous montre un peu les techniques de l'arme secondaire. Arme secondaire du coup qui est une sorte de talisman en fait. Donc ça balance des projectiles. Comme magie. Si on appuie sur Y, ça balance un gros projectile. On va essayer de tester ça là-dessus, tiens. Mais du coup, sans éléments et le RB. Et le RB, ça pose une tourelle qui attaque aussi. Du coup, c'est marrant, mais vous voyez que ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. En même temps, je peux pas acheter la version supérieure de cette arme. Et avec les versions différentes, alors l'attaque automatique devient un truc autour de nous, c'est une sorte de passif. Le Y, ça fait des dégâts autour de nous. Et ça peut pas être chargé en plus. Et le RB, c'est des dégâts de glace, là c'est des dégâts de feu. J'ai bien compris. Ah, mais pourquoi là ça fait un... Attends, soit ça fait un projectile. Soit je mets ça en place et du coup, au lieu de faire un projectile, ça fait des dégâts autour de moi. Ah, donc c'est intéressant, ça permet de faire de la ou du distance. Ah, intéressant. Du coup, attaque de base. Ok. J'avais pas trop compris comment ça marchait. Là-bas, il y a un coffre, faudra que je vais le chercher. Et le RB, du coup, ça pose juste un truc qui tire tout seul, d'accord.
Ouais, c'est salut fin quoi. Voilà, c'est une arme comme une autre, mais je me sens plus à l'aise hein, avec mon bâton, pour être honnête. Là, je vois qu'il y a un trial qui a pop, on va le faire. Ça nous coûte rien. Et ça donne toujours de l'XP. Bon, par contre, c'est le niveau 1, du coup. On va les défoncer, hein, mais... En vrai, les ennemis meurent pas si vite dans le jeu, même si t'as beaucoup de niveaux de plus. Ce qui est assez cool en vrai. Parce que t'as pas l'impression de rouler sur le jeu, même si t'as farmé. Faut que je teste le truc de foudre du coup. Mets la marque de foudre, allez. Ça marche pas. Ah si, mais c'est sur moi le civil. Et du coup, c'est sur qui le sigil de foudre? Ah oui, mais le sigil de foudre, c'est un truc qui me booste moi, je crois. C'est différent. Voilà. Là, du coup, je fais plus mal. Success. Bon, petit trial. C'était gratuit. Eh, 1000 d'XP? Non, 1000 d'argent? Je saurais pas dire. Bref, on a une mission principale à faire. On va peut-être la faire et stopper de dire des conneries. Bref, niveau changement d'arme, a priori, les armes 3 étoiles, parce que là j'ai une arme 2 étoiles, ça se drop sur des monstres de raid, mais pour le moment j'ai droppé qu'une épée, avec tous les raids que j'ai fait, enfin tous les trials que j'ai fait, et bah du coup, bah, c'est une épée. Salut! Oui, allons-y, je sais même plus ce qu'on était venu faire. Enquêter par ici. Alors, tuer la cible ennemie. Ok. Et c'est vrai que c'est marqué B, mais en fait c'est A. Enfin, c'est marqué A, mais en fait c'est B. C'est parce que je joue avec une manette de Switch et que les boutons sont inversés, mais faut pas le dire. Du coup, un petit peu d'histoire. Comme ça, on fait de l'histoire de temps en temps, puis moi, je ferme de mon côté après. Une zone abandonnée, ok. À cause de trop d'attaques. Ça semble logique. Il y aura des zones assez cool hein, plus tard. J'ai vu quelques images. On est encore au tuto, là. En même temps, s'il y a 60 niveaux... J'ai déjà du mal à level up quand je suis niveau 10. Bon, par contre, les chargements sont toujours aussi longs et. Mais bon. Du coup, j'aurai enfin accès à cette zone après. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça sera le point de TP. Faut que j'aille où du coup? Au loin, c'est surtout un chemin tout droit, quoi. Et avec une arène, quoi. Mais que fait une doll ici? このままにはしておけないわね。おそらくどこかに制御装置があるはずよ。危ないし壊しちゃおうか。それでも構わないけど、あなた意外に大胆ね。 Pourquoi tant d'empressement? Ça sert à rien.
300 d'XP, bah ça paye. Qu'est-ce que c'est ça? Certains ennemis appellent des drones qui vont apparaître à l'intérieur du laboratoire des ruines du laboratoire Van Ford. Si tu détruis un drone, il va devenir ton allié pour un certain temps. Si tu détruis un drone alors que t'as déjà un drone qui est dessous, ton drone va se transformer. Et il va faire des grosses attaques et te conférer des bonus. Ah, c'est intéressant ça. C'est beaucoup d'ennemis quand même, pas vous mentir. Attends, mais il y a des drones hein. Sur lui qu'il faut que je me focus. Pour rendre mon drone plus fort, il faut que je détruise des drones. Et oui. Ouais, je suis mort! Mais non! Et ben on retraille. Putain, je pensais pas me faire défoncer par. Par un mob, ils sont que niveau 10 pourtant. Je suis deg. Après, j'ai pas fait attention à ma vie en même temps. Elle est pas très bien placée. En bas à droite, c'est pas ouf en vrai. Comment? Ah, faut tout que je refasse par contre. Ça, c'est un peu chiant. Surtout qu'il y a des temps de chargement hyper longs pour charger une zone qui en fait est de base dans la zone de base, c'est juste que là il l'instancie. C'est assez bizarre comme système. Bon, c'est pas grave, on va refaire le tutoriel. Je peux pas zapper ça? Non, je peux pas, d'accord. Je suis obligé de me retaper la discussion. Après, j'avoue que nous mettre trois gros comme ça, c'est pas très gentil.
là maintenant, on a vu qu'il y avait un drone, donc on va focus le drone. Je le retrouve. Et que j'arrive à le focus. Je comprends pas qu'il focus pas l'ennemi le plus proche quand je cherche de changer de cible. Pas très logique. Je vais jouer safe hein, s'il comprend que seul. Cette attaque chargée qui m'a défoncé tout à l'heure, je crois. Bon, parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas que ça à faire, hein. Va falloir accélérer un peu le mouvement. Du coup, je peux cumuler les sigils vu qu'il y en a un sur moi et un sur les ennemis. Je sais pas si c'est une batterie sur le drone ou si c'est juste le temps qui lui reste. On les a tous eus, je pense, oui. Ouais, après, ça me parle un peu. Cinématique. Écran noir, c'est normal, hein, j'ai le même. C'est juste les temps de chargement qui sont mal optimisés. Langa itteta, hoka no arcs tte doko daro? Chikaku ni hannou wa nai wa ne. Sore ni tsushin no joutai ga waruku natte kita wa. Manford kenkyūjō oto ni ōgata dōruzu sekkin. Un ennemi gigantesque qui approche? Où ça? Je ne vois rien. Il doit être sous terre. Ah, au-dessus. Oh. Vous êtes sûr hein? Le Daitil. Ah, il est gros, ouais. Oui, allons-y. Allons défoncer la gueule de Goliath.
Après ce temps de chargement noir comme, bah, comme un noir en fait. Enfin, un black screen quoi. Désolé, il y a eu un noir sur le plateau. Alors je connais pas ses attaques, j'ai jamais affronté ce genre d'ennemi encore. Bon, il est déjà rouge, hein, du coup il est bientôt mort. Du coup là il est en train de me buffer de temps en temps, c'est bien ça. Je vois pas mon civil la plupart du temps. Double heal, on sait jamais. Pas envie de tout recommencer. Ouais, j'ai eu peur hein, parce qu'il faisait mal. Yoku tatakatta wa, Aina. Arigato, Mano. Sashi, kaifuku shimashita. Daidaru no gekiha o kakunin. Sugoi desu yo, sanin de daoshichou nante. Bah oui, on n'est pas n'importe qui hein. Quand soudain, trois autres apparaissent. Pas du tout. Ima no wa. Qu'est-ce que c'était? Ah. Je crois que... Il faut qu'on rentre. Ta-da-da. Même pas niveau 11 avec tout. Oh, c'est fini. Ah mais oui, ils m'ont sorti de la zone.
Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a autant de monde ici? Ah mais c'est une autre zone de combat où tout le monde s'affronte, ok. Bon, on s'en fiche. Par contre, ouais, tu me dis que t'as détecté un truc. Qu'est-ce que t'as détecté exactement? Il y avait une tour de TP par ici, je me souviens. Peut-être un cube aussi. Parce qu'en gros, là, on est sorti du donjon et il y a des zones où, en gros, elles sont faites exprès pour que t'affrontes des ennemis en boucle. Afin de gagner des niveaux, et celle-là, c'en est clairement une. Parce qu'il y a la jauge de PSI Burst juste à côté. Ah, et par contre, les ennemis sont un peu plus forts que là où j'XP d'habitude. Pourquoi j'ai tapé avec cette attaque, non? Non, mais arrête! Attaque avec ça! Ouais mais il avait détecté un cube, pourquoi il ne le réaffiche pas? Ah par là. Ah oui, le point de TP, oui forcément. Et du coup il faudrait que je rejoigne la zone de défense. Enfin le quartier général. Donc là c'est toute la zone qu'on a fait tout à l'heure, sauf que bah en fait c'est une zone de farm. Récupère quelques. Et du coup, je vais regarder. Ça, je vais pas avoir le niveau parce que c'est niveau 17. C'est ça. Donc, je peux pas le faire. Donc, ça nous appelle depuis tout à l'heure, mais on peut pas le faire en fait. Bon, attends, le niveau 17 quand même pour faire les quêtes urgentes. Sauf que t'as une daily quest. Enfin, une quête à faire chaque semaine qui te demande de faire une quête urgente. Tu peux pas finir tes quêtes de la semaine si t'es pas niveau 17, ça c'est un peu dommage. On va continuer l'histoire un peu parce qu'on est qu'à 40 minutes. Puis j'ai envie de voir ce qui est arrivé à notre équipe. Puis je pense que ça fait bien level up les quêtes d'histoire. Enfin j'espère parce que sinon ça va être long. これは過去の記録からネクスエアリオが出現したものと考えられる。ネクスエアリオ、ケスケセ、サンサンブラクワ。おお、あのネクスエアリオだ。アンゴーシュファラ、オッケー。ネクスエアリオが最後に出現したのはおよそ10年前。あ、いや、10年。あの時以来ということになる。 先ほど、このレゾルの森に偵察に向かったブルーダー隊との連絡が途絶えた。さらに悪いことに、ネクスエアリオが現れたのと同時に、各地でドールズの出現が相次いでいる。これらを討伐するために、戦えるアークスを分散せざるを得ない状況だ。とりわけ、レゾルの森の探索は危険な任務となる。 Non, ça ouais, nous on y va. Atashitachi ga ikuyo. ありがとう。ネクスエアリオは強敵だ。単独での交戦は避けて、ブルーダ隊の捜索を頼むよ。分かった。他には志願するものは？ Pour montrer l'exemple. Mina, arigato. Tanonda yo. Ils ont des tenues sympas la plupart, hein. Ça donne envie. Allez-y avec toute la précaution qu'il faut. La plupart des volontaires vont vous assister. Nexaelio est un ennemi redoutable. Tu ferais mieux de bien te préparer avant d'y aller. Mais je peux t'offrir quelques conseils.
talk to Staggy. Oui, tout à fait. Je me demande s'il y a un moment ou un autre on va pouvoir acheter du stuff plus fort ou s'il va vraiment falloir le dropper à chaque fois. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, ça force les gens à jouer. Bonjour Staggy. Ah, j'ai une 4 secondaire ici, tiens. Oui, bonjour. Le best gear, quater. Oh, to fight. Mais je sais déjà combattre. Tu peux combiner les armes. Multi-weapon, donc multi-arme. Ah, combiner, avoir plusieurs armes en une. Ah, ça je veux bien par contre. Un multi-weapon combine tous différents types d'armes. Comme une épée et un pistolet. Ce qui permet d'avoir une plus grosse variété de capacités sur la barre d'action rapide. Quand tu utilises le menu de target, tu vas automatiquement switcher d'armes. D'accord. Et le Photon Burst va s'accorder avec l'arme que tu utilises, logique. Et on peut les synthétiser avec des armes de la même série. Par exemple, Prime Sword et Prime Raffle, parce que c'est deux Prime. Ok. Sois sûr que tu as tous les catalyseurs et les matériels qu'il te faut. Je vais t'en donner quelques-uns pour que tu puisses essayer. Ok. Ça explique pourquoi je comprenais pas. C'était un peu compliqué en fait d'avoir plusieurs barres d'action et de devoir changer en plein combat. Unlock potentiel, ça permet de faire quoi? Ah oui d'accord, ça permet de débloquer les potentiels, ok. Est-ce que je peux multi-weapon genre ces deux armes pour avoir que des armes de ma classe? Non, bien sûr, sinon ce serait trop simple. Parce que je peux le faire qu'avec des Zviya. Et Zviya, c'est des niveaux 2. Mais j'ai pas vu celui-là dedans. Et c'est con ça, ça veut dire que je peux le faire qu'avec certaines armes? Parce que ça c'est des armes de cac en gros. Donc je peux le faire avec une spear. Avec des dagues. Avec une hache, enfin un bâton, ça c'est de healer du coup. Les dagues je suis pas trop fan donc je vais sûrement y aller avec une lance. Attends, ça coûte 100 000 hein, de faire une multi-arme. Mais du coup, vu que c'est juste pour le tutoriel, je vais le faire sur une arme de merde, je pense. J'ai l'impression de ne pas pouvoir, par contre. Et si je le faisais avec le rifle, par exemple? Ou avec le prime, par exemple? Avec le prime, je pourrais mettre... Ah, c'est des lance-roquettes, ces trucs-là. Oh. Intéressant. Ça coûterait la moitié. Et avec le machine gun, je peux le mixer avec quoi? Avec rien?
pas sûr de comprendre. Mais je suis obligé de le faire pour le tutoriel, ça me fait un peu chier. Parce que je connais pas les autres armes en fait. Et je peux mettre que des trucs de ma classe là-dedans, du coup comment je fais pour les tester? Ou alors c'est que ça veut dire que le weapon... Le multi-weapon c'est encore différent du multi-class du coup et ça veut dire qu'avec deux classes tu peux avoir accès à 4 armes. Auquel cas là ça devient très intéressant. Et du coup en réalité c'est comme si t'avais 4 classes. Après ça se farm en vrai les armes donc Ce que me gêne c'est qu'il me dit que je peux pas les utiliser ces armes là. Parce qu'il faut pas partie de mes classes. Sûrement. Ça se recraft au pire en... comment ça fait de créer sa multi-arme? Ça sert aussi à changer sa distance d'attaque, j'aime bien ça. Oui, je sais changer mes palettes d'armes, t'inquiète. Essaye plein de combinaisons et tu trouveras peut-être des trucs cool. Bonne chance. Il semble que tu sois trop faible pour arriver là-bas. Ça serait bien que tu débloques le potentiel de tes armes et que tu augmentes ton battle power. Oui, bah ça je sais. Ah non, augmenter le potentiel d'une arme. C'est vrai que je l'ai pas fait ça. C'est vrai que ça pourrait être cool. Donc faut que j'augmente mon potentiel jusqu'à 1100. Donc il faudrait que j'augmente ma main classe au niveau 15. À prendre 12 skills de classe. Entre la main et la subclasse. Actuellement j'en ai 6 en main. Donc il faudrait que j'en mette 3 de plus en subclasse. Augmenter une arme de rareté 1 jusqu'à plus 30 et augmenter ce potentiel jusqu'au niveau 2. Et une armure niveau 1 jusqu'à plus 20. Et avoir un total de 11 augmentations équipées sur les armes et les armures. C'est vrai que je peux peut-être débloquer le potentiel si j'ai ce qu'il faut de mon arme. J'ai ce qu'il faut. Je débloquerai du potentiel plus 18. Et baisserait les résistances de 10%. Et si je veux le refaire, il me manque de la dualomite. Ce qui augmenterait pas beaucoup le potentiel en vrai. Donc c'est pas ouf. J'ai peut-être de quoi augmenter un peu mon armure. Et côté armes, je crois pas que j'ai grand chose à fuse. Parce que je peux pas fuse les trucs qui sont pas de mon arme. J'ai pas essayé, mais peut-être. Si je peux. Oh, bah, si je peux, je vais le faire en vrai.
Sauf celle-là, parce qu'elle est rare, de ce que j'ai compris. Il faut être niveau 10 pour l'équiper. C'est une 3 étoiles, c'est la seule que j'ai droppée. Et du coup, tout ce qui est une étoile, bah je vais fuse. Et je vais augmenter mon arme. Tant que j'ai du matériel pour. Ça coûte quand même un peu cher. Tant que c'est du une étoile. Bon, ça va, en vrai, j'ai largement ce qu'il faut. Deux étoiles. Je pensais pas que je pouvais fusionner en fait des trucs qui étaient pas de, du même type d'arme. Oh, pas mal. En vrai, le 2 étoiles en multiple, je vais le fusionner aussi. Hein. Niveau 28, ah bah oui. Tout à fait. Avec un grand succès, il monte niveau 30. Voilà, parfait. Est-ce que je peux encore le limit break? Il me faut de la trinite et j'en ai pas assez. Mais du coup, je pourrais si je veux. Donc là, on commence à avoir une arme pas dégueulasse. Et on est à un bon potentiel déjà. Et après on peut augmenter le pot. Mettre des augmentations sur notre armure aussi. Alors ce qui m'intéresserait, ça serait. En vrai, je m'en fiche de ce que je mets parce que je sais que c'est des trucs que je vais pas garder ad vitam aeternam. Elle vit tout. Melee Range Weapon, potentiel plus 1%. Alors ça c'est de la note. Donc je peux en mettre qu'un de ce type là. Et là... ...90% de mettre ces deux trucs sur mon arme, en gros. Enfin, sur mon arme. Ok. Je regarde surtout ce que j'ai beaucoup. Range Weapon, je pense que ça rentre dans ce que j'ai. Et ça, c'est... Melee Weapon, on s'en fiche. HP. Est-ce que les deux je peux? Sérieux? C'était quoi le truc d'HP? Pourquoi je le retrouve plus? C'était ça? Non. On avait plein pourtant. Pourquoi je le vois plus? Oui, une fois qu'on l'a débloqué, en fait, on peut le rechanger quasiment gratuitement. Ok. Et du coup, sur celui-là. DHP, c'est du soul, je peux pas en mettre d'autres. Mêlée, on s'en fiche. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre?
Bon, en vrai, c'est une multi-arme, donc on peut mettre ça. Ah non, les deux, c'est du soul, merde. Du coup, non, pas ça. On peut mettre du note. 90% sur les deux. Je suis qu'à 1022, mais après il faut que je monte niveau niveau 30, pas niveau 15. Et je peux encore limite break ces trucs là. Et du coup ça veut dire quoi là? Ça veut dire que sur ma palette là je peux mettre des armes. Des arts d'armes que j'ai pas. Et ça je peux pas, pourquoi? En vrai le système de jeu est bien bien complet. Hein. Parce que du coup, avec deux classes, t'as accès à 8 armes. Et sur ces 8 armes, du coup, tu... Enfin, oui, avec deux classes, t'as accès à 8 armes. Parce qu'avec deux classes, t'as accès à 4 armes, 2 par classe. Et avec les multi-weapons, tu peux avoir accès à d'autres armes derrière. Donc c'est cool. Attends, comment ça? Ah non, l'arme secondaire. Pourquoi j'ai accès au sort de cette arme là? Pourquoi avec le Talis j'ai accès au sort du Rod? C'est ça que je comprends pas. Et du coup, est-ce qu'il faut pas mieux jouer Talis? Après, les Talis, il faut les dropper parce qu'on peut pas les acheter. Et ici, du coup, je peux mettre quoi? Je peux mettre des sorts de toutes mes armes. Et du coup, ça change automatiquement? Juste pour les tester, que je les mets là. Je vais voir ce que ça donne. En réalité. Donc ça, c'est l'attaque automatique du truc. Ça, c'est l'attaque de la lance. Ok. Ok. Ça, du coup, je peux pas parce que ça doit pas être ma classe. Ça non plus. Et ça non plus. Ok. Que ça fait quoi? Ça, c'est la weapon action. Et ça, c'est la normale attaque. Donc j'ai juste accès à ça, j'ai pas accès au skill. Donc en vrai, ça sert à rien. Comme prévu, mais c'était juste histoire d'être sûr. Donc là, il va falloir que je farm jusqu'à atteindre le niveau de power 1100. Donc je pense, en prenant 5 niveaux, ça sera ok. Plus je vais continuer d'améliorer mes armures et autres. Et je vais peut-être dropper une arme meilleure, donc si ça se trouve, là, quand je vous retrouve la prochaine fois, j'ai une arme meilleure.
Ah du coup j'ai ma lance là sur le dos. C'est marrant. C'est dommage, elle est stylée cette truc. Ça du coup c'est chelou parce que c'est une sorte de drone mais tu joues avec des cartes. Ça c'est le pistolet. Et ça c'est juste un fusil d'assaut. Ok. Et ben on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine pour la suite de l'histoire vu que j'aurai atteint normalement le niveau de pouvoir 110, 1100. Et je vous dis à la prochaine. A plus.